La MAP, qui est à la base une agence, est basée à Toulouse. Et les organisateurs sont des passionnés de photos et de l'image. Et ils ont souhaité organiser leur festival à destination des photographes amateurs. Mayenne Club, c'est le site communautaire de Nikon pour tous les passionnés de l'image. C'est une communauté qui a plus de 2 ans aujourd'hui et qui compte à peu près 40 000 membres. À l'occasion du festival MAP, sur lequel on est présent pour la 2e année avec Mayenne Club, on a organisé un tour de France. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti à la rencontre des membres de notre communauté aux 4 coins de la France. Et à cette occasion, on a organisé des challenges photographiques sur le thème de nos régions. Et les 20 meilleures images sont exposées donc durant tout le mois de mai à Toulouse, sur les bords de la Garonne. C'est un très bel écrin pour mettre en valeur nos photographes amateurs et on est ainsi vraiment visible dans le centre de la ville de Toulouse. Cette année, j'expose là une série dans le cadre du Festival MAP en ville, une série sur Las Vegas. Et puis à côté de ça, les organisateurs m'ont demandé, voilà, donc je fais une lecture de portfolio, ça s'appelle une lecture de portfolio. C'est des amateurs, des photographes voilà, passionnés qui viennent montrer leurs images, prendre certains conseils, avoir un avis. Ils viennent souvent avoir l'avis de quelqu'un qui fait de la photo tous les jours. J'ai 6 ans de photo derrière moi, c'est pas grand chose, mais voilà, je vis la photo au quotidien et c'est ma passion et c'est aussi mon métier, c'est mon métier et aussi ma passion. Donc c'est un grand plaisir, voilà. Je trouve ça assez intéressant de discuter avec les gens, de rencontrer des gens, de partager. J'essaie d'être photographe, je fais des études de photographie pour pouvoir justement percer dans le milieu. Et puis voilà, rencontrer un professionnel, ça peut aider à avoir des contacts. Ça redonne du courage aux jeunes qui se disent d'habitude « oui, c'est dur, je vais galérer pendant 15 ans avant de réussir à toucher ne serait-ce qu'un SMIC ». Et là, en fait, non, ça redonne du courage, quoi. C'est vraiment un festival qui est orienté pour les photographes amateurs et c'est l'occasion de mettre en valeur les membres de notre site et en fait on sait que ça leur fait vraiment plaisir. D'ailleurs on a remis sur le festival le premier et le deuxième prix de ce challenge Tour de France, donc un Nikon D7000 et un Nikon D3100. Des beaux cadeaux.